À la radio, sur Internet, et bien sûr dans les circulaires, on est bombardé de publicités en vue du vendredi fou. À hein. une certaine époque, on, on associait ça surtout à l'électronique, mais maintenant c'est simple. On le voit dans les épiceries, les pharmacies, les quincailleries, les magasins de meubles. Tout le monde est dans cette danse. Hein. Peu importe le type de commerce. Pour miser sur cette journée qui clairement gagne en popularité. On en discute ce soir avec Julien Gandelin, qui est fondateur de AcheterLeMeilleur.ca. Merci oui. de prendre le temps d'être avec nous ce soir Merci. pour parler de ce Vendredi Fou parce qu'on est plusieurs à la maison. Évidemment, passer bon cette adaptation québécoise du Black Friday qu'on a entendu <laughs> dans les dernières années. Est-ce qu'on peut dire que ça change les habitudes de magasinage des fêtes Oui, complètement, parce que c'est une idée commune que le mois de novembre, le Vendredi Fou, c'est le moment où il y a le plus de rabais. Et c'est là qu'on peut faire de vraies bonnes affaires. Alors, nous, on a analysé pas mal de, de milliers de produits, pas plus de 7000 produits sur les deux dernières années, avec leur historique de prix. Et c'est pas totalement vrai. Okay. Le mois de novembre, c'est là où il y a le plus de volume de rabais. Mais on va trouver aussi plein de catégories de produits qui sont avec le même niveau de rabais à d'autres moments de l'année. Mais, mais est-ce qu'on peut dire quand même que c'est le meilleur moment pour faire nos achats des fêtes Ah, bien sûr. Il n'y en, okay. en a pas d'autres après. Et il y en a très peu, très peu avant. Avant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, il ne faut pas être dernière minute il faut, faut planifier non. notre liste à l'avance et profiter de cette fin de semaine. Ou du moins de, de cette période, parce que maintenant, c'est allongé. Exactement. Ce que, une nouvelle tendance qu'il y a, c'est que ça commence parfois dès le début du mois de novembre. Ouais. On a vu que Walmart, par exemple, attendait impatiemment la fin de l'Halloween pour, dès le lendemain, publier leur premier euh, rabais pré-Vendredi Fou. On sait que la situation économique n'est pas évidente actuellement au Québec. Est-ce que cette année, les bons rabais sont au rendez-vous Est-ce qu'on peut dire ça Oui, alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Okay. Ce qu'on a constaté dans les rabais pré-Vendredi-Fou et de ce qu'on sait de ce qui va arriver vendredi, c'est que pour la première fois depuis un an, deux ans, on retrouve des rabais et des records de prix. Qu'on n'avait pas vu pendant les derniers 12 à 24 mois. Okay. Donc, sur des produits qui sont assez populaires, des produits des électroménagers de cuisine, de maison, tous les appareils électroniques, les appareils intelligents, la quincaillerie aussi. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut surveiller les prix. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on essaie d'attirer plus de clients Est-ce que c'est un peu ça qu'il faut comprendre oui, alors je ne suis pas derrière la logique des détaillants, mais oui, je, je pense <laughs> que chaque dollar compte, oui. autant pour les consommateurs que pour les, les détaillants à oui. cette période-là de l'année. Et donc, ils ont fait un maximum d'efforts pour avoir les meilleurs prix à cette période de l'année et vraiment miser sur le fait que c'est les meilleurs rabais oui. qu'on a depuis un an, deux ans, profitez-en. Donc, on regarde nos, nos, rabais avec, nos, nos rabais ou nos circulaires de quincaillerie, entre autres, avec attention. Exactement. Euh, J'aimerais qu'on qu parle ensemble des, des publicités, parce que les publicités nous font... Penser que tous les rabais qu'on voit durant cette <laughs> fameuse période du vendredi fou, il faut pas les manquer, c'est les meilleures offres. Et tu en as fait mention tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement vrai que c'est les meilleures offres. Là. Complètement. Okay. C'est en rabais, sûrement. Est-ce que c'est le meilleur rabais de l'année C'est pas sûr. Alors, on va trouver même un même produit chez plusieurs détaillants en même temps. Qui Comme va quoi être... par exemple ben Là ce matin, je suis tombé par exemple sur cette célèbre machine à soda. Que okay. euh, ouais. plein de gens aiment. Euh, elle est à un très fort rabais, je crois que c'est moins 40 ou moins 50 pièces, euh, mais euh, sur 5, 5 détaillants différents. Mais il y a un des détaillants, et il n'en fait pas trop euh, la publicité, <laughs> qui offre une bouteille de gaz, en plus, qui coûte quand même 40 dollars pièce. Donc c'est un rabais extrêmement important. Ouais. Et puis on va voir plein d'autres cas où à 5-10 dollars près, on va avoir euh, sensiblement les mêmes rabais, mais encore une fois, il faut planifier, il faut comparer. On parle souvent d'appareils électroniques hein, dans la période du Vendredi Fou, ouais. du Cyber Lundi. Ouais. On pense à des téléviseurs entre autres. Oui. Est-ce que c'est une bonne période pour faire l'achat Oui, mais c'est pas la seule. Okay. Téléviseurs, on va prendre l'exemple du Super Bowl par exemple, qui est toujours une très bonne période ah oui, hein? pour euh, profiter des meilleurs rabais, et on va avoir des rabais similaires au Vendredi Fou et euh, au mois de juillet aussi pendant euh, tous les, les rabais de la fête du Canada. C'est une très bonne période pour acheter des téléviseurs. Des etc. Donc, exact. on veut inciter les gens à aller acheter. Est-ce est qu'il y a des catégories de produits qu'on devrait peut-être attendre ou à, à, à voir d'autres rabais à d'autres périodes dans l'année? Oui, alors... C'est dur d'exclure de, complètement une catégorie de produits, il y a toujours une exception. <laughs> Tout à fait. Mais je vais parler par exemple des, euh, des produits un peu de saison d'été. Les climatiseurs, les barbecues. Ça va être très compliqué de trouver des vrais bons rabais là, pendant okay. le mois de novembre. Ouais. Mais ce matin, euh, on a analysé à date plus de 30 000 rabais. Et ce matin, pour la première fois, j'ai trouvé un rabais sur un climatiseur portatif. <laughs> mais en période euh, début de printemps et puis fin d'été, on va trouver entre 10 et 20 rabais sur cette catégorie de produits par semaine. Donc, okay. c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. Mais c on, les produits d'été sont plutôt à éviter. Donc, les produits qui sont souvent spéciaux, par exemple. Exactement. C'est ça. Rapidement, ceux qui connaissent notre combat des circulaires le savent, hein, il y a des produits qu'on devrait jamais acheter à prix régulier, qu'on pense aux croquettes de poulet, au beurre, <laughs> exactement. Est-ce que c'est la même chose dans les autres produits? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on ne devrait pas acheter à prix régulier? Complètement. On a parlé des téléviseurs. Ouais. Généralement, ce sont les produits qui sont en enrabés. Trois, quatre, cinq fois pendant l'année. Okay. Téléviseurs, matelas, tous les petits électroménagers de cuisine, de maison, les gros électroménagers aussi, Et évidemment les appareils électroniques. Ouais. Ils sont en rabais pendant le Vendredi Fou, mais ils sont en rabais également les soldes après Noël. Ils sont en rabais au mois de février. Ils sont ouais. en rabais plusieurs fois pendant l'année avec des rabais similaires. On prend ces conseils, on note ça pour nos prochains achats. Merci d'avoir pris le temps de passer nous Merci. voir. Merci.